Salut, salut, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Glouglou TV, la seule chaîne du glouglou, des canons et de tout ce qu'il faut savoir sur le vin. Et aujourd'hui, je vous montre ma méthode, la seule méthode qui vaille pour pouvoir commenter un vin et faire kiffer tout le monde. Essayer de rendre ça un petit peu plus vivant. En fait, mon secret, c'est de faire comme si tu décrivais un mec. T'essayes de te l'imaginer dans ta tête et tu le commandes, tu le décris. Démonstration. Commenter un vin, c'est avant tout le voir. Une couleur profonde, intense, une robe. Grenat ! Bref, c'est une vraie œuvre d'art. Une matière soyeuse, un toucher magnifique, beaucoup d'élégance. Des reflets violacés, signe de jeunesse. Commenter un vin, c'est aussi le sentir. Au premier nez, on constate une légère réduction, ce qui lui confère un caractère un peu animal. Bref, un premier nez rustique, qui manque parfois un peu de finesse, voire d'élégance. Deuxième nez. Et après aération, le vin révèle tout son caractère, il est plus élégant, plus intense. Des notes de fruits mûrs, de cuir, de fourrure. Le vin se révèle plus audacieux, plus sûr de lui. Et le vin, ça se goûte. Une attaque souple et ciselée. Une bouche pleine, charnue. Souple elle aussi. Une bouche gourmande, très gourmande. Mais qui sait aussi être généreuse. On note un alcool présent, bien présent, mais un alcool fondu dans une rondeur et un moelleux rassurant. Et malgré cela, il garde une certaine forme de dynamisme, de grâce, de légèreté, diront certains. Pour conclure, je dirais que c'est un vin à la fois charnu et jovial. C'est un vin musclé, un vin nature bien fait, propre, vivifiant, bref, un vin sans artifice. Et pour accorder ce vin, je l'associerai avec un plat raffiné, fin, élégant, subtil. Une pointe relevée.